Vous êtes là. On a plus d'infos sur l'épidémie Rakkul. La situation ne fait qu'empirer. La famille noble de Thion a mis toutes les planètes du secteur en quarantaine. Aucun vaisseau ne peut atterrir sans permission. Cette mesure est loin d'être populaire. Les gens bloqués en zone infectée se sentent trahis par leurs dirigeants. J'espérais pouvoir faire quelque chose avant que ça ne devienne catastrophique. Vous n'aurez pas cette chance. 4 planètes sont déjà contaminées. Une 5e, Kaon, ne compte plus qu'une poignée de rescapés qui se battent pour survivre. La République a proposé son soutien. Ça a pris du temps, mais les familles au pouvoir nous ont accordé la permission d'atterrir sur Kaon pour aider à stopper l'épidémie. Déployez-vous! Cherchez les survivants! Major, on a un survivant! Hé, hey, vous allez bien? Major, attention! Vous devez faire partie des renforts de la République. Un poil trop tard, si je peux me permettre. C'est pas notre faute. La République devait attendre que votre gouvernement donne la permission d'atterrir. C'est logique. Les nobles ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ont décidé que la quarantaine ne s'appliquait pas à eux, alors ils ont pris d'assaut le spatioport et volé une navette. Et toute mon équipe est morte. Jamais j'aurais dû me rendre sur le site du crash. J'aurais dû me douter que les éventuels survivants seraient déjà infectés. Que se passe-t-il ? En 3 mots, on est fichu. Le virus prend des proportions inquiétantes. Les Rakkul sont de plus en plus fortes. Le virus ne touche plus que les êtres comme vous et moi. Il se répand aussi parmi les animaux. Les hommes savent plus où donner de la tête. L'environnement est trop dangereux par ici. Dites à vos patrouilles d'aller se mettre à l'abri. À l'abri, ça veut plus dire grand-chose ici. Mais je vais leur transmettre l'ordre. À toutes les patrouilles, repliez-vous en direction du spatioport. Restez sur cette fréquence et maintenez le contact. L'épidémie est partie du spatioport. Peut-être qu'on découvrira... Oh, mon thorax! Oh, ça brûle! Oh, vous êtes infecté, Major. Dans quelques secondes, vous allez muter et essayer de m'égorger. Je veux pas que ça finisse comme ça! Oh, pitié! Aidez-moi! Je vais mettre fin à vos souffrances. Je veux... une fin rapide.
était temps que la cavalerie débarque. Ça fait plusieurs jours que je me cache dans le spatioport. Je m'appelle Melara. Vous allez sûrement vérifier le registre et découvrir que c'est mon vaisseau qui a amené les Rakghouls jusqu'ici. Mais c'est pas ma faute. J'avais aucune idée que je transportais ces choses dans la soute. Je suis une victime, comme tout le monde. Je vous donne une chance de vous expliquer avant de vous juger. Vous avez entendu parler du professeur Lorik, un membre des 37 familles de Deservaux, les rivaux absolus de la famille royale de Thion. Lorik m'a engagé pour me rendre sur Kaon. À la seconde où j'ai atterri, des Rakghouls ont bondi hors de la soute. Du sang et des cadavres partout. Les Rakghouls, c'est juste des vilaines bêtes un peu spéciales. Il faut être patient et réactif. Elles attaquent pas comme des animaux sauvages. On aurait dit qu'elles avaient un plan, qu'elles suivaient des ordres, et qu'elles me cherchaient. Lorik tenait absolument à ce que j'y reste. Parce que je pourrais vous dire où le trouver. Dites-moi où il se trouve. La navette venait d'une île isolée sur Orgmentel. Lorik y tient une base secrète, mais c'est tout ce que je sais. Écoutez, je me suis racheté. Je vous ai dit ce que je savais. Maintenant, vous allez me tirer du pétrin, hein. Vous saviez que Lorik était dangereux quand vous avez accepté son boulot. Des millions de gens sont morts. Vous avez leur sang sur les mains. Mais j'ai pas... Je voulais juste... Non !